tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 9 du calendrier de l'Avent. Allez, c'est parti, on commence par mon fils. Je suis désolée, je vais aller assez vite parce que j'ai pas trop le temps. J'ai un rendez-vous juste après à l'anesthésiste. Non, je suis pas enceinte, je vais me faire opérer. Bref, je vous en parlerai plus tard si le cœur m'en dit. Alors mon fils aujourd'hui a eu des petits cadeaux dans son calendrier de l'Avent, alors comme ceci. Oui, regardez pas mon vernis, faut que je le refasse, mais en fait vu que je vais me faire opérer, je vais l'enlever et je le referai après mon opération. Du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas refait. Donc il a eu des petits cadeaux comme ça, voilà, et il était content ma foi dans son petit calendrier de l'Avent. Alors c'est parti pour moi. Je vais, ah j'ai oublié de vous dire, c'est hier que je l'ai eu hein. Donc, je vais regarder. Oui, sur mes lèvres, j'ai le crayon à lèvres que j'ai eu hier à Nocibé, regardez. Très nude, j'adore. Voilà, le crayon à lèvres, j'en ai très rarement. Du coup, je suis contente d'en avoir. Ça me fait tester de nouvelles choses. Allez, c'est parti, comme d'habitude, on commence par le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau aujourd'hui? La numéro 9, je suis tombée dessus directement que j'ai ouvert. Ah, c'est lourd. Voilà ce que c'est. Ah, un petit gel douche. Alors, au cœur des sapins. Petit gel douche, comme ceci. Donc, c'est la nouvelle collection. Ça, c'est... Ils font tout le temps les collections pour Noël. Oh, j'aime pas trop. En fait, j'aime pas trop. Ça sent le sapin, mais j'aime pas trop. J'ai une bretelle qui part en vadrouille. Voilà. Hein. Hop. Donc voilà. J'aime pas trop, mais bon, voilà. Au cœur le sapin. Et il y avait un petit sapin dessus, comme ça. Hop, je remets ça au-dessus. Et c'est parti. On continue avec le calendrier de l'Avent de chez Sephora, numéro 9. Ah, c'est tout petit. Ah. Ah, cool. Nacré. Pour pas vous dire de bêtises, c'est... Colorful, nacré, nanana. C'est pas écrit. Mais moi, je pense que c'est pour les yeux. Si je me trompe pas. Comme vous pouvez remarquer, je me maquille pas souvent, donc... Alors, regardez. Hop. C'est blanc, nacré. Il y a écrit Colorful Nacré Shimmer. Et c'est la teinte numéro 204. Ombre à paupières, j'avais raison. Je savais bien que c'était pour les yeux. Bon, bah parfait. Un nouveau à tester. Ensuite, on va continuer. Je finis toujours par celui de Nocibé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'essaye de faire toujours dans l'ordre. Si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Le numéro 9, il est juste ici. Mon calendrier d'été. Je l'adore, il est trop beau, je trouve. Et l'été, j'en découvre de nouveau, c'est super. Lavande. Ah, ça, par contre, je suis pas sûre que je vais aimer. Mais vraiment pas. Rien que l'odeur, je déteste. Voilà, ça sent rien, mais bon. Ça, je suis un peu déçue parce que la lavande, c'est pas trop mon délire, quoi. Ensuite, le numéro 9. Le numéro 9 de chez Nocibé. Où es-tu, petit? Oh non. On n'a pas encore un chouchou. S'il vous plaît. Ah non, ça va. Masque nourrissant. Tudum. Alors. Et tout le temps, il se déboîte. C'est une horreur. Il aurait dû mettre du scotch. Bon, là, j'ai bien réussi à l'ouvrir. Hein. Pour une fois, vous remarquerez. Bien, bien, bien. Demande 10. C'est un petit rectangle. Je pense qu'il n'y aura plus de vernis, malheureusement. Moi, j'adore les vernis. Alors. Oui, mon cœur. Oui, mon amour. Vous entendez mon fils derrière. Alors, un petit masque nourrissant, Nocibé, essentiel pour le visage. Bon, alors, c'est parti. Parmi les trois cadeaux, lequel m'a le plus déçu? Je dirais celui-là, parce que j'aime pas l'odeur, mais c'est toujours utile, hein, du gel douche, pour les voyages et tout ça. Sinon, oui, après, je vais tester. Alors, ça, je connais pas de chez Sephora, mais j'en ai de chez Yves Rocher. Et ça aussi, parfait, je vais pouvoir tester. Bon, c'est unidose, hein, je pense. Parce que déjà, tu peux pas le refermer. C'est 12 ml.
Ouais, une dose, on verra bien. Bon, et bien voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, commenter et liker. Oui, partager, commenter, liker. Oui, c'est ça, cette vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est Marine Family. Voilà. Bon, en attendant, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour le numéro 10.